Et tu vois, comme je l'avais dit, là, il a décidé de prendre Bayo. On est parti. On a une petite Bayo, oui. Bayo pour du coup pour notre ami Jazz. Et regarde-le, il a déjà pris une stock. Il a déjà pris une stock en moins de 30 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il a juste touché outstage, il a mis un combo et en fait, malheureusement. On a pas pu faire parce qu'on était en train de bait les stocks, mais je crois qu'il la tête s'est dit. En fait, il a pas ici. Ce que j'ai vu dans le coin, c'est que en fait, Jaspunk l'a emmené hors du stage et l'a fait cogner contre le bon. Mais ça a égalisé aussi là, j'ai même pas vu, mais la game part très vite. C'est ça, et en fait, là, ce que tu n'as pas vu, c'est que l'Oscar il a mis un petit combo 0 to Jazz avec un update bien senti dans la gueule de Jazz pour coller le score. Ok, petit combo. Ok, les combos de Bayo, on les connaît bien, ça peut aller super loin, ça peut faire super mal. Ok, ça a l'air de récupérer pas trop mal. Oh. Ah, petit grab. Le grab, ça peut mener à quelque chose peut-être. Ok, un autre, bien senti. Le problème c'est qu'il a trop de pourcentage de jazz, donc les grabs ne font plus de combo. Il peut plus faire de combo, par contre ça tue. Belle DI, parce que Jazz il savait qu'il n'était pas mort, il a bien senti ça, le DI. Okay. Par contre, ce backer, il n'a pas pardonné. Il envoie Jazz dans les confins de PSE. Et Baka, c'est un kill qu'on voit pas, enfin c'est pas c'est pas souvent qu'on voit ça sur Luigi, hein. C'est un bon kill move, mais le problème c'est, enfin il n'a pas le problème, c'est juste que tous ses autres kill moves sont bien aussi. C'est ça. C'est pour ça que ça lui permet de mix up. Par contre là il joue aux limites, joli le tech. La belle tech. Oh, par contre le smash vient tabasser la Luigi situation pour nos deux joueurs. Et déjà la stock, mais ça va si vite. Ok. Ça va vraiment vite. Ok, misfire, non pas du tout. Et c'est une belle punition là trouvée par Jazz. Ah, le grab qui va gratter des pas pourcentages. Mais... Non. Okay. Il remonte. Ok. Il reprend le stage. Joli ventouse into grab. Ça gratte encore des pourcentages. Ça, c'est vraiment très serré entre les deux joueurs là. Ça se joue, ça se juge. Et finalement, l'Oscar arrive encore et toujours à trouver rien du tout. Il trouve la sortie sur ce joli backer de Jaspunk là au bord de ce stage. Décaler, ouais, je pense que je peux faire ça. Pour là. Ok, c'est bien. Je rêve ou ça a changé de personnage là? Ah non, j'ai rêvé. C'est juste un changement de skin. J'ai rêvé. Il a mis la bonne blanche. Bayo into Jeanne. Ok. Ok, ça commence bien pour l'Oscar. Ça commence bien pour l'Oscar. Joli, joli SDA là. C'est joli, bien fait pour Jazz qui évite le combo mortel de Luigi. Qui gratte encore 2-3 pourcentages. Il est en face de la trap et on sait la ventouse peut être mortelle. Hein. Ouais, ça peut être mortel. Mais pour le moment, il arrive à se dépatouiller. Il a certes un léger désavantage, mais il n'en démarre pas. Ça se cherche. Ouh, ça allait chercher très bas. Hein. Ça allait chercher très bas pour l'Oscar. Il sait ce qu'il fait avec son Luigi. Hein. Ok. Oh, ouh, ça c'est très beau. Très très beau. Mais non, tu ne peux pas me faire un set B comme ça dans mon shield, tu t'écroues. Il a payé le prix de sa stock et maintenant il a un léger désavantage. Joli combo, ça allait chercher loin, ça allait chercher loin pour gratter les pourcentages ici. Ok, Baker. Et là il a un avantage, il a mis ultimement une stock et 30% d'avance. Et là, il vient de le tuer. Il décide. Il a 36%, il a 3 stocks. 3 stocks à une, 46%. Il faut que. Double smash. Il décide. Et là, il décide de juste sortir son gros point. Ça bourre un petit peu. Ça bourre, mais ça passe. Ça passe, hein, c'est l'important. Oh, la pari sur le smash, tu t'écroules. Ça s'annonce un peu mal pour Jazz pour ce match. Il faut vraiment qu'il arrive à trouver ce genre de phase comme ça, ce genre d'avantage, ce genre de combo pour recoller les pots cassés. Et c'est ici, il arrive à remonter sur le stage, hein, quand même. Hein. Ok. Est-ce que c'est un kill le Jazz? Non.
Presque. Presque, 167%. Il faut vraiment qu'il prenne ses stocks, sinon ça va mal se finir. Mal se finir. Il avait 3 stocks. 3-0. Et on a vraiment vu une grosse phase d'adaptation du côté de l'Oscar. Ah oui, clairement. Qui avait vraiment un peu galéré sur la première game. Et là, il lui a tout mis. Qu'est-ce que Jasper va faire? De quelle façon on va s'il te plaît? Tu peux lui prendre un concret, s'il te plaît? Oh, ah, ça y est, le combat fratricide. On a un petit Mario. Combat fratricide. Les deux couleurs originales, là, ils sont venus pour se taper. Là, c'est Super Mario Bros, le vrai, le réel. Le tabas frère, comme on l'appelle. Petite dash attack pour commencer, les combos qui comptent. Oh, lui met un combo. Wow, ok, cette jolie de phase d'avantage, là, les beaucoup de pourcentages collés pour du côté de Mario. Ok. Allez, la ventouse. Une maîtrise de la ventouse. Il maîtrise vraiment la ventouse, ouais. Par contre, ça c'est super bien trouvé de la part de Jazz qui trouve le joli combo. Et là, qui recolle au concentre. Oh, le smash Farid. Le smash sur la neutral get up. Ça ne pardonne pas. Et maintenant, c'est au tour de l'Oscar à trouver la stock. Faut qu'il trouve la stock là, sinon ça peut être compliqué. Jazz peut prendre l'avantage. C'était sans compter sur le up smash de Luigi. Très bon move. Ah. Oh, joli petit combo de jolie phase d'avantage. La phase. Jolie phase d'avantage. Il reprend encore les dessus avec son Mario, le Jazz. Okay, Backer, joli. Le grab. Est-ce que c'est une phase de. Ça peut être un 0 to death. Non, c'est loupé. C'est loupé. À tout moment, Luigi peut reprendre une stock et reprendre l'avantage. C'est ça, mais les deux joueurs se tapassent vraiment bien entre eux. Ça connaît bien les combos. C'est encore scellé entre les deux, regardez-le. Hein. Il n'y a que une vingtaine de pourcentages qui les séparent. Et c'est déjà rattrapé par l'Oscar. Oh, la punish. Oui, le side B était mal. Ouais. Le changement qui a payé. Ouais, c'est ça. Le side B était vraiment un petit peu osé ici, je trouve. C'était une punition gratuite. Il a tenté le kill. Mais je pense pas que ça aurait tué là, 100%. Mais il faut que Jazz réussisse à prendre l'avantage. Ouh, le shield a bien été poke là. Le poke était sur le shield qui est bien senti. Il faut qu'il retente Jazz. S'il prend pas fait, il peut pas mettre des pourcentages. C'est ça. Ouh, ça c'est. Il est pas mort. Il est pas mort, mais regarde-le. Il faut qu'il gratte les pourcentages. Il faut qu'il prenne le plus l'avantage possible. Il n'y a que comme ça qu'il peut gagner la game. Regardez ça, les uppers qui s'enchaînent. Ils sont d'accord. C'est la fin. Non. Joli DI de l'Oscar. Lash Trump. Et là, on a pris 80% du jeu. 80%, voilà, up smash qui va clouer la dernière stock à Jazz qui a un bon avantage. Là, on pourrait dire que Jazz est safe, mais 0% pour Luigi. 0% pour Luigi, ça veut tout dire. Mais regarde-le. Là, Jazz il joue bien là. Le Lash Trump. Jazz il met la pression au bord. Non, Miss Fire qui a failli le tuer. Et ça l'a tué. La chance sur 8 qui a joué du côté de Jazz qui colle 1-2-1 pour le moment. Game 4. Est-ce que Jazz va réussir à remonter le loser? On n'est pas loin d'un reset. Pas loin d'un reset, il suffit juste qu'il se concentre. On est reparti. Même map, même personnage. Ok, petite phase. Mais la phase d'avantage. La phase de Jazz pour mettre des pourcents. Il recommence upper, neutral, le smash. Zero to death. Il commence très bien ce match. Retour à l'envoyeur, comme diraient certains. Mais oh là, là ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Et 60% quand même, hein. Ça part très vite. Les deux joueurs savent vraiment utiliser leur personnage pour coller des gros pourcentages, des grosses phases. Ok. Mais là, Jazz, il faut qu'il arrive à mettre les combos. Il gratte. Le dame trop. Ouh, l'attraction là, ça aurait pu être dangereux. Hein. Ok. Mais Jazz arrive toujours à trouver ces petites phases de upper neutre à l'air. Ouh, le dunk, c'était pas loin. Heureusement qu'il s'est laissé tomber, l'Oscar.
Ouh, oh, le Diablock. Le Diablock into le Smash, là. Ouais. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Grand combo, ouh, joli le up smash là pour enlever la première stock de Jazz. Mais attention, le 0% on le connaît. On le connaît, le 0%, on le sait. Il a qu'une seule chose à faire, Jazz, c'est essayer d'assurer cette deuxième stock. Ça démarre mal. C'est les combos de Luigi. Voilà, c'est parti. Tu t'es fait 0-2-death. Le 0-2-death de Luigi, on le connaît bien. Voilà, il l'a assuré, il a été concentré. Par contre, là, il faut qu'il fasse attention, Jazz. Okay. Il arrive à trouver le back air pour éloigner Luigi. Il essaye de l'empêcher d'aller sur le stage. Misfire pour approcher le trait. Lèche Trumpito back air qui arrive à mettre la last stock situation. D'accord, joli, le nerf, très grave. Début combo. Ça n'a pas conclu. Il y a deux joueurs. Là, on voit Luigi qui zone avec sa petite ventouse. Et là, Jazz, il fait parler le cœur. Il y agresse. Il est upper à l'infini. Le dunk raté. Le smash là en fin de combo pour essayer de surprendre, c'est pas passé. Les deux joueurs vraiment. Ouh, joli le upper. Les pourcentages montent assez vite là pour du côté de l'Oscar. Presque 100% contre 60. Joli le upper. Ouh, le B qui touche du bout qui gratte encore 2-3%. Là il est au ledge, ça se regarde. Il attend très vite. Voilà la ride. Voilà, et Jazz vient donc recoller au score. Il reset ce bracket. Reset, bravo. Bravo Jazz Punk. On est donc sur le dernier BO5 de la soirée, les amis. Ok, ça se tabasse entre les deux frères, voilà, bam, bam. Le Ditto, ils sont de la même couleur, ce sont bien sûr les mêmes. Du Mario. Ah bah, les deux mêmes, mais ça commence bien pour l'Oscar. Ok. Ça commence bien, l'Oscar. Ok, les petits combos. Mario reprend le dessus, upper. Voilà, il va l'envoyer dans le fond de Pokémon Stadium 2, rejoindre tous les autres. Mario dans la NBA. Mario, un dunker professionnel. Par contre, Kobe Bryant, LeBron James, vous le savez. Ouh, joli le smash là qui vient. Tuer la première stock de Jazz, ok. Là, ça peut être dangereux. Là, c'est dangereux là pour l'Oscar là au bord du ledge. La tentative ledge jump, on le connaît bien. Ok, c'est pas mal là. Ça démarre bien là pour. Ouh, le sweet spot, c'est vraiment dommage. On sent très bien la réaction de Jazz. Ouais, et là, Jazz, il a qu'une seule envie, c'est de lui mettre un chassé dans la bouche. Ah, les combos. Joli, encore le B, les B de Jazz, vraiment bien senti, qui gratte les pourcentages. Hein. Qu'il fait douter, ça c'était bien tenté. Ok, d'intro. Maîtrise l'espace de cette game. Une centaine de pourcentage de différence. Voilà, ça c'était bien vu de la part de. Ah, la smash. Oh, c'est donc la dernière stock pour Luigi. Ça se cherche, voilà. Ça se rend mais vraiment coup pour coup. Hein. La dash attack avec de Luigi, bien trouvé. Est-ce qu'il va faire quelque chose ensuite? C'est dingue, chaque combo est. Non, il n'y a pas de punish, mais à chaque fois qu'un combo démarre, il arrive vraiment à se rendre coup pour coup. Ils n'arrivent pas à démarrer des trucs. Sauf si Jazz décide de l'envoyer dans l'enfer de PS2 avec un autre dunk. J'ai tendance à croire que c'est Michael Jordan dans une autre vie. Mais on joue à Smash, on joue pas à NBA 2K. Mais Jazz Punk n'est pas de cet avis, hein. Je crois que j'ai compris la vanne. Ce serait tellement d'en faire une deuxième, non? Mais tu connais le truc qui fait des. On est reparti et Mario a sorti vraiment le costard. La couleur Kurama, comme on dit. Le costard, il. La couleur. Ouf! Oh, voilà, il est très énervé, Luigi là. Il a décidé d'enlever la première stock de Jazz vraiment très très rapidement.
il a envie de recoller au score. Oh, ça peut recommencer. Belle défense de Jazz. Il se fait un petit peu malmené là sur ce début de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est adapté entre les deux games? Je ne sais pas, Nikuta, mais ça démarre bien pour l'Oscar. Ça démarre bien pour l'Oscar, mais Jazz, il va se défendre. Il a des arguments à faire valoir, il le sait bien. C'est bien pour ça qu'il a sorti le gros costume. Et un back throw. Back throw, voilà. Ah, il allait chercher très loin le back air, ça tue pas. Il va survivre. Il connaît bien sa recover là, avec son Luigi. Oh, la ride. La ride, il a attendu la roll pour mettre le smash. Il recolle au stock, mais pas au pourcentage. Il y a 100, pour, 100 vraiment 100 littéralement. 100% de d'écart là pour le moment. Ça se cherche, ça gratte un petit peu du côté Luigi, mais c'était sans compter. Waouh, joli ce down air pour empêcher le combo Mario. Up smash à la retombée de Jazz pour le mettre à la dernière stock et le pousser dans les derniers retranchements. Joli les combos là, joli le gratte. Ça gratte. Ah ok, les upers multi upers de Jazz. Ça se cherche entre les deux, il faut que Luigi arrive. Ah ouh, le smash à la sortie du shield, ça n'a pas pardonné, ça enlève la stock de Luigi. Ils sont donc dans les derniers retranchements les deux. Un peu plus d'avantage pour l'Oscar pour le moment. Là Jazz il galère à prendre de l'espace, là il faut qu'il arrive à contrôler l'espace. Il faut qu'il arrive à respirer, il faut qu'il arrive à remettre ses combos. Oh, le smash. Un smash à la sortie du shield, bien tenté, bien vu. Là il y a un smash. Les recolle donc au score de 1-1. Balle au centre. Il est minuit. Tout à fait. Minuit, l'heure du crime et l'heure de la bagarre surtout. On recommence. On recommence. D'intro. Repère, ça a attendu bien sagement dans le shield. Ça a attendu sagement dans le shield, les backers surtout. Ouh, le dunk là. Le dunk qui l'envoie la face contre terre. Il aurait dû mourir. Mais les uppers continuent. Hop, bien cherché là. Ça gratte les pourcentages, ça tue pas. Ouh, le B là. L'autre B. B sur B, ça répond bien là du côté des deux joueurs. Oh, un grand smash bien nature là pour enlever la stock. Ah. Ok, up throw, up air, ça a pas continué, dommage. Le jet pour faire reculer Luigi, nair, throw, ok. Ça gratte les pourcentages, c'est les belles phases d'avantage de Jazz là, waouh. Ouh, ça faisait mal ça. Ça a fait mal. Le B n'a pas touché, c'est dommage, mais c'était une très très belle phase. Backer, il fait reculer Luigi, il fait reculer l'Oscar jusqu'à l'extérieur. Il a pas respiré. Jazz a essayé d'être un peu plus agressif. Le back air vient toucher. Ouh, oh là, c'est dommage. Ah, c'est dommage de la part de notre cher Jazz. Le back throw pour essayer de faire que Luigi le jet encore une fois. Il a tenté une ride. Il suffit d'un seul coup pour faire sortir sur Luigi. Il faut faire attention quand même. Voilà, back air bien senti au jump. De l'Oscar au ledge, d'accord. B pour gratter les pourcentages, il faut qu'il prenne l'avantage. Il faut qu'il arrive à conclure la partie de jeu. Oh, ok. L'Oscar a décidé de s'énerver un peu. Il a B, il a bien shield, d'accord. Ouh, ok. Le back air là, de l'Oscar était bien senti. Est-ce qu'il peut conclure cette B. Il a eu du mal il a eu du mal à remonter là. Le smash qui va pas tuer. Ah, il a du mal, voilà. Il en a refait un, et ça a suffi. Et là, on a seulement un petit avantage du côté de Jazz. Ah, si c'est l'allergie, un gros avantage. 15 avantages, il faut faire. Mais 0%. Il faut faire attention. C'est pas passé. Upper. Il faut vraiment que ça finisse du côté comme de l'autre. Le breakdance passe pas. Oh, ouf. Cette dodge-in était un peu douteuse. C'est ça, mais il n'y a pas eu de punish.
Elle perd encore, ça gratte des pourcents, ça veut chercher le peut-être. Le grab d'intro, Thanos. Il s'est fait recompenser. Et 2-1 pour le SCAR. 2-1. On arrive donc sur un potentiel. C'est une balle de match. Ou une égalisation de notre Mario national, de notre plombier rouge. Bataille fratricide, encore une fois. On a vu que Mario avait bien payé sur la première partie de la grande finale. Là, ça a l'air d'être un peu plus dur. Zero to death ? Pas encore, il a décidé que c'était pas aujourd'hui. Il a décidé que cette partie ça serait une autre paire de manches. Il prend pas mal de pourcentage ici, il veut des jolies phases d'avantage de l'autre carte, des jolis combos. Ça arrive à trouver des coups, le jab était bien vu là. 11% pour Jazz, donc là on va tenter de chercher le kill. Il n'a pas encore assez de pourcentage pour moi sur un vieux Dunby en center stage. Mais par contre, Baker toujours pas. Ça a envoyé très très loin par contre, hein. Il a une situation de danger. Et là il tue. Baker à nouveau trouvé qui va envoyer Jazz dans la blast zone. Ok. Repère. Est-ce qu'il y en aura un petit début de combo là? Jazz essaye de jouer avec son argument le plus valable, joli. Le smash qui va pas tuer mais qui va mettre l'Oscar dans une situation un petit peu dangereuse. Il pouvait pas recover. Le petit snipe pas la boule de feu. Ok. Là l'Oscar. Ça se cherche. Le troll là ça peut être dangereux. Pour Jazz il prend beaucoup de pourcentage. Ça fait reculer l'Oscar dans le ledge. Mario Corner. Mario qui prend pas mal de pourcentage, il a 100%, ça peut être dangereux. La phase match trap. Ça peut être dangereux. Attention à l'avant tout, le smash, l'a bien senti, hein, bien senti. Ah. Ouh là, oh voilà. Il allait chercher jusqu'au fond, il a tendu la dodge de Jazz pour lui mettre un up smash, mais il a décidé de lui mettre des pieds bouche. La jolie ventouse là pour casser le momentum de Mario. Pas mal le jab pour essayer de faire reculer Jazz. Ah non, ça n'a pas été puni. Heureusement pour Jazz, ça aurait pu être dangereux. C'est dur pour Jazz, les pourcentages ça monte, il faut qu'il arrive à tuer cette deuxième stock. Ouh, les Misfires, ça aurait pu être catastrophique. Up smash pour essayer de tuer, ça n'a pas tué. Ok, up B, on remonte sur le stage, la troll, le Dumby qui passe pas. Il tente le kill up smash. Oui, et il va recommencer. Oh là 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 là. Il va recommencer et il va gagner le tournoi, bravo. Bravo.